La chanteuse Souad Massi désingue la société patriarcale algérienne. En Algérie, les femmes font face à une discrimination généralisée et sont victimes de violences conjugales et de diverses formes de discrimination. Souad Massi, chanteuse franco-algérienne, témoigne de cette réalité dans une interview accordée au journal Le Monde. Elle dénonce une société patriarcale où les femmes sont invisibles et régulées à un rôle de servante. Souad Massi raconte avoir grandi en observant la tristesse et la mélancolie chez les femmes de sa famille et de son voisinage, tandis que les hommes jouissaient d'une liberté incompréhensible pour elle. Dès son jeune âge, Souad Massi a pris conscience des limites imposées aux femmes et a adopté une apparence masculine pour exister et jouir de sa liberté. Elle a trouvé refuge dans la musique, qui lui a permis de s'exprimer et de se sentir libre dans un espace public réservé aux hommes. La chanteuse souligne également que les hommes eux-mêmes sont piégés dans cette doctrine patriarcale et que le système est profondément pervers. Elle partage également une tragédie personnelle où son ex-mari a tenté de tuer leurs deux filles. Finalement, il a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 15 ans. Le récit de Souad Massi met en lumière les discriminations et les violences auxquelles sont confrontées les femmes en Algérie.